Bonjour à tous, nous voici pour la période mi-avril, mi-mai pour nos amis Lyon. Alors, on va commencer tout de suite à faire le tirage. Alors, pour nos amis Lyon, donc l'état d'esprit dans lequel vous serez, ça c'est tout ce qui va être affectif, financier, professionnel et là tout. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous serez donc en route fortune, prêt à l'action, prêt au changement. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. Donc vous serez vraiment en fait dans un cercle, peut-être dans un nouveau cycle plutôt. On va dire ça. Vous êtes dans un nouveau cycle, des choses nouvelles arrivent, de la nouveauté, de nouveaux projets. Voilà. Donc ça bouge un peu plus que ce que ça n'a bougé les derniers temps. Donc voilà, c'est très positif pour vous, à million. En affectif, vous êtes en battleur. Le battleur indique donc vraiment, encore une fois, l'arrivée, mais très très rapide, de nouvelles opportunités, des opportunités de voyage, des opportunités pour bouger, pour aller à l'étranger. Aussi, des choses qui ont trait à une activité commerciale. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais le battleur, c'est vraiment aussi tout ce qui est activité de troc, d'échange, voilà, ça bouge, ça. Bon, vraiment, c'est très. En fait, des choses passent de main en main. Alors, est-ce que vous faites du troc, de la brocante avec vos amis, j'en sais rien. Une notion comme ça assez forte de donner, de recevoir. Maintenant, ce qui concerne les finances, on est sur l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça indique qu'il faut favoriser la communication par rapport à tout ce qui est financier, donc il faut en parler tout simplement. Je pense qu'en fait il faut que vous disiez, si vous avez une situation financière assez difficile, il faut que vous en parliez autour de vous. Je pense que c'est important. L'impératrice, c'est le symbole vraiment de la communication, et il faut que vraiment vous en parliez. Maintenant, ce qui concerne le domaine professionnel, on est sur la papesse. Donc la papesse, c'est l'indication en fait de devoir être sérieux, rigoureux pendant cette période. C'est une période en fait qui est un petit peu compliquée, hein, entre les vacances, les ponts, tout ça. Mais il faut quand même garder un maximum de sérieux sur cette période, hein. Voilà, donc essayez d'être rigoureux, de travailler tranquille dans votre coin, mais allez-y. Maintenant, votre atout, en fait, c'est l'ermite. L'ermite indique une notion assez forte d'un besoin de repos, de recul, de prendre du recul. Alors, on l'a vu, les choses s'accélèrent ici, donc peut-être que par moment, c'est de mettre un petit coup de frein pour peut-être essayer d'un petit peu comprendre tout ce qui s'enclenche, tout ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, l'atout, en fait, aussi des portes de l'intuition, c'est la gratitude. Donc, la gratitude, c'est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc, la gratitude, c'est vraiment l'idée, en fait, de remercier un peu pour tout ce que vous avez eu la chance déjà d'avoir et qui continue. Donc voilà, donc soyez en fait dans une attitude de grande gratitude justement vis-à-vis de vos proches. Alors si vous êtes croyant, vis-à-vis de vos croyances, hein, aussi, je pense que voilà, il faut en fait que vous vous rendiez compte que finalement votre situation, elle est positive, elle est agréable, elle est confortable. Donc surtout, profitez-en. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc une excellente période mi-avril, mi-mai. Et à très bientôt!